Ok, le mec s'en bat les couilles. Le mec qui est à gauche, lui il va à droite. On bat les couilles, frère. Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Ouais. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et au programme vidéo assez spécial, on va aller tout simplement essayer de trouver les pires games de la TV Royale. Donc on va aller tout simplement sur la TV Royale. Alors toujours le jeu en chinois si vous êtes... Si vous savez pas pourquoi je l'ai en chinois, paniquez pas. Il y a une vidéo qui explique ça. Revenez deux jours en arrière, vous la trouverez. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît ce petit changement de langue. Il y en a beaucoup que ça perturbe. Il y en a beaucoup qui sont à fond dedans aussi, qui me disent « Ouais, la semaine prochaine, mets telle langue. » Dites-moi en commentaire quelle langue vous aimeriez voir. Il y a pas mal de portugais, il y a pas mal d'arabes. C'est ce qui ressort le plus. J'ai vu un petit peu de thaïlandais aussi qui se perdait. Je sais pas si le thaï est disponible en langue, sûrement. Et du coup, bah là, on va attaquer donc sur ce petit concept de trouver les pires games de la TV Royale. On est actuellement en arène 1. J'arrive à le lire en haut. C'est voilà, le moyen mandarin, on fait un. On est en symbiose totale. Alors, qu'est-ce qu'on va se regarder comme game? Je regarde un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Et alors... Ok, on a plein de games. 19 000 vues. C'est vrai que depuis qu'elles sont triées par Anne, c'est vraiment pas mal. On peut en voir beaucoup. Allez, j'en prends une au pif. Toi. Ok, ce sera toi. Et c'est parti. Allez, on va se regarder la première game. On va commenter. On va voir un peu comment ils se débrouillent en arena. Et on va voir en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Alors, du coup, en haut en rouge, on a un joueur de géant. Et en bas, je pense que c'est à peu près la même chose. Oh my god! Pause. Ça va. Pas du tout, les amis. Alerte au Google. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Alors, j'avais pas à penser au Peggy 18. Peggy 18. Voilà, le petit Peggy 18 des familles. Donc, la cabane de barbare, ou derrière la tour, ou devant, au niveau de ces petits cubes. Alors, je vous montre avec mon petit curseur de souris, parce que je suis sur tablette. Donc, ici, vous la mettez plutôt là, mais surtout pas comme ça. Déjà là. Le joueur rouge, on sait, c'est une merguez. C'est une merguez totale. Allez, on y va. Petite cabane offensive avec les petites rouquines. On sait pas trop pourquoi. Ok, le mec s'en bat les couilles. Le mec qui est à gauche, lui, il va à droite. Ok, pourquoi pas. On s'en bat les couilles, frère. Ok, là, par contre, il y a le géant. Alors, attention, le géant, faut pas l'ignorer. Non. Mais non. Francis, t'étais bien, là. Fallait juste attaquer à gauche. Tu dégommes sa cabane, tu dégommes son géant et c'est GG. On s'en bat les couilles, frère. Bon, il fait une offensive à droite qui va faire une percée ici, la tour qui va tomber. À gauche, forcément, c'est la même chose. C'est là où c'est dommage. Je pense qu'il aurait pu défendre et faire la percée plutôt que perdre la tour. Donc là, gros misplay de la part du joueur bleu qui est lui aussi une merguez. Alors non, en bas ça va être une chipolata et en haut une merguez. Ok, la mousquetaire ici. Ok, qui va déglinguer. Voilà, ça joue très très agressif en bas ça. On n'a pas le temps. On a poney aquatique juste après la game, du coup ça va très vite, on focus le 3 couronnes. Alors là, il y a un meilleur placement de cabane du joueur asiatique en bas, Yamnog. Oh là là. Oh my god. Oh, alerte au Google. Oh my god. Dites-moi en tout cas si le concept vous plaît. Là, je fais un premier épisode comme ça, un petit peu en mode brut. Prochain épisode, je ferai un truc avec du montage et tout. Et je pense que clairement, ça peut être très épique. Faites-moi péter les pouces bleus, objectif 2000 pouces bleus. Et j'attends vraiment vos retours en commentaire. Si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi. Comme ça, je jauge un petit peu ce qu'il faut. Ce qui est prévu aussi, c'est le meilleur game. Donc, comme ça, on a un petit peu les deux, les pires et les meilleurs. Donc, ça, c'est un petit peu les nouvelles vidéos qui arriveront de temps en temps, une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les semaines, un des deux. Donc voilà un petit peu pour le rite. Et j'espère que ça va vous plaire. Et il y aura encore beaucoup de nouveautés de série comme celle-ci. Alors attention, Jean Bomber ici, qui va être dégommé par le mini PK. Là, ça contrôle un petit peu mieux. Non, ok, le bleu est reparsé en mode nerveux ici. Il veut achever la bête qui est saignante. Oh, la boule de feu du turfu. Alors quand, en général, quand tu fais ça, ça pue. Tu perds la game. Moi je me rappelle à mes débuts, ça m'arrivait de faire ça quand je jouais à la tour à 800 PV. J'envoyais boule de feu, mais derrière je perdais derrière. Et là on voit 38 PV. Oh my god, 38 PV. Oh my god, il reste 37 secondes au chrono. On place la sorcière derrière le géant devant. Ça, c'est pas mal joué de sa part. Peut-être que le géant est un peu trop devant. Donc au final, il se fait découper ici très rapidement. Il a pas eu le support tout de suite. La sorcière qui va se faire découper. Oh, attention, la mousquetaire devant qui a été drop. Le problème, c'est que chez la Chipolata, on n'a pas de sort pour achever cette tour. Et oui, monsieur, il faut jouer des sorts. Il joue pas de sorts dans son deck. Mais quelle horreur. Ok, du coup, voilà, ça va push.
ça va push. Alors, est-ce qu'il va nous tenter un vol des enfers? Parce que c'est possible, ça. Attention, la boule de fond, on a la sorcière qui tape. On pose rapidement jambon beurre. 98 PV, 40. Oh! C'est la merguez qui gagne. Pou pou pou! Et la chipolata qui perd. Waouh! Alors dites-moi en commentaire aussi si vous êtes passé par cette phase. J'ai l'impression de me revoir à mes débuts, quoi. Ça, c'est énorme. Donc un beau 3. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va les prendre d'autre? On va en prendre avec des sorts parce que les sorts, je trouve, c'est pas mal. Quand les mecs ont des sorts, on a le droit à des games. Tiens, là, ils ont tous les deux double sorts. Il y en a un qui a cabane chevalier géant, l'autre qui a géant tout court. Tiens, celle-ci va être peut-être plus dynamique. Il y en a un qui a foudre. Ah ouais, non, mais toi, tu dois être bien cheaté, mon ami. On va regarder celle-ci. Regardez celle-ci. Donc en haut en rouge on a la merguez Terbake. En bas en bleu on a ça commence par une armée squelette. Ok, le géant derrière. Ça commence très très bien de la part du joueur bleu. C'est très mal joué. Oh, pourquoi il défend pas Francis là? Ok, il doit passer sous un tunnel. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Il vient de se réveiller, il vient d'envoyer un géant. Alors pourquoi? Waouh! Sorcière d'air? What the fuck? Oh my god. Mais c'est quoi cette game? Donc là, ça va pousser avec la sorcière, la tour qui va tomber. Et du coup, ça va faire égalité. Le bébé drac qui va pas défendre très très bien ici. Voilà, on drop l'armée squelette qui va se faire dépop instant par la sorcière. On a le chevalier derrière. Le bébé dragon qui va die ici sur le chevalier. Attention, c'est une game qui peut se finir très vite, ça. Non? Non, ok. Ok, les très belles flèches. Les flèches d'une vie. Jambon beurre ici qui arrive. Oh, ça va piquer ça. Ça pique, ouais. Ça pique très fort. Oh, ça c'est de la flèche de qualité également de la part de Terbake. Waouh. Putain, j'en perds les yeux là. Là, je perds la vue. J'en perds les yeux. Je perds la vue, les amis. Je ne vois plus rien. Prends-moi la main, viens danser. Ça pue. Ça pue, ça part sur un all-in de la part de la Chipolata qui est en bas en bleu, le petit chevalier. Alors avec quoi tu renforces ça? Allez, armée squelette là, Francis. Voilà, armée squelette, c'est bon, là t'es bien. Là t'es bien, t'as pas mal de petits squelettes, t'as le chevalier qui arrive, attention. Ça tape, le géant, fais un truc pour le géant. Fais un truc pour le géant, Francis. Le géant. Non, ça va passer, oui monsieur. Moi j'étais pour la Chipo sur celle-ci. Moi j'étais pour la Chipo, je sais pas vous pour qui vous étiez. Mais j'ai l'impression de voir un petit peu des courses d'escargots, quoi. En voyant ces petites games. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route. Ah, on va prendre quoi? On va prendre quoi? On va prendre quoi? Là, c'est que du level 1. On va essayer de prendre un truc équilibré. Waouh, il y a de la foudre ici. Mais à quelle heure ça? Bah tiens, on va... Oh, j'ai vu géant squelette géant. Pour le joueur rouge, la merguez. Donc un joueur de type asiatique. En haut, en rouge. En bas, en bleu, on a Luis Otavio. Okay. Armée squelette. Il défend pas, il a tissé d'élixir, il défend. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Mais merde, ta tour elle a 237 PV, mais qu'est-ce que. Oh my god! La foudre d'une vie, on part tout de suite sur un pince offensif. C'est quoi cette game? Ok, je pense, les amis, que cette game va promettre. Clairement, là, si vous aviez pas encore perdu la vue, ça va arriver. Oh, c'était quoi? Mais non! What the fuck? La boule de feu à gauche. On a une foudre sur le prince à droite. Génie, génie. Pépite, on est tombé sur la belle game, là. On est tombé sur... Le pire, c'est que... Attendez! Là, il n'y a pas eu d'ellipse encore. Je me dis, bon, on va peut-être tomber sur des games sérieuses. Ça va bien jouer. Du coup, ça va pas être intéressant. Mais là, les gars, il y aura nos coupures. Rien du tout, walou. Ok. Donc, tour de gauche qui a été perdu pour Luis Otavio. Ça va y aller à droite. Oh my god. La tour à bombe offensive. La tour à bombe d'une vie ici. Qui, je pense, a pour but de protéger les troupes qui vont venir pour le 3 couronnes. Je pense que c'est ça le projet. Alors on n'a pas eu l'occasion par contre de voir le géant squelette, j'espère le voir sur cette game, attention, parce qu'il va charger, on fait la même chose. Du côté du joueur asiatique, le joueur rouge ici qui envoie un prince qui va charger également, ça va faire du dégât, attention ça gratte, 287 PV. Attention à droite le prince aussi qui fait énormément de dégâts, 1034 points de vie, ça joue foudre, boule de feu, il reste 1 minute 10, le mec je le sens déter et foudre boule de feu jusqu'à la joue. Je sais pas vous, mais je le sens bien d'aider. Attention, géant qui arrive, on a jambon beurre à gauche. Donc la tour de droite qui va tomber. Allez, drop l'armée squelette, Francis. T'as 10!
Mais shoot à 10. Mais pourquoi tu joues une sorcière? Ah, c'est dur. Désolé, c'est très dur. C'est très dur ce qui se passe. C'est... waouh. Oh my god, cette boule de feu. Il touche pas la tour du roi. Il ne touche pas le bébé dragon. Attention, le prince à droite. 99 PV. Oh my god. C'est la boule de feu qui tue. Enfin non, c'est la boule de feu qui tue. Non, c'était ça. Ça irait bien. Mais là, c'est tout. C'est tout. Oh my god, cette dernière game était juste énorme. Ah, sincèrement, je pense qu'on va se refaire ça. Faites-moi péter les pouces bleus, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Dites-moi également, tiens, ce que vous avez pensé de cet overlay. C'est la deuxième fois que je le mets. Là, je l'ai gardé tout au long de cette vidéo pour cet épisode. Ça vous plaît, je le remettrai. Si ça vous plaît pas, je le mettrai moins. En tout cas, je vous fais des gros gros bisous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il y a un tournoi à 2000 gems, je le dis vers la fin de vidéo en mode là, comme ça, sneaky pour les vrais. Les vrais savent. Donc, tournoi 21h, 2000 gems. Tournoi à l'ancienne, je vous attends nombreux, je vous fais des gros gros bisous sur la merguez et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.